Bonjour et bienvenue à chacun, chacune d'entre vous réunis ici à l'oratoire. Bienvenue à vous, vous qui vous joignez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Cathy Lin Huang. Remerciements à Saint-Jude. La parole de Dieu parlera aujourd'hui de renaissance. Mettons-nous en présence du Seigneur, lui qui seul peut nous faire renaître, et implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Lorsque les chefs des prêtres et les anciens eurent relâché Pierre et Jean, ceux-ci rejoignirent les frères et rapportèrent tout ce qu'on leur avait dit. Après ce récit, tous, d'un seul cœur, adressèrent à Dieu cette prière. Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ces tumultes, ces nations en tumulte, ces peuples aux projets stupides, ces rois de la terre qui se groupent, ces grands qui conspirent entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Et c'est vrai, on a conspiré dans cette ville contre Jésus, ton saint, ton serviteur, que tu as consacré comme Messie. Hérode et Ponce Pilate, avec les anciens et le peuple d'Israël, ont accompli tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta sagesse. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades. Accomplis des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Comme leur prière se terminait, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouve en Dieu son refuge.
Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Et puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Là se trouve le Christ à la droite du Père. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire. » Car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de renaître ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment est-il possible de naître quand on est vieux? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ?» Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins réunis ici à l'oratoire et vous, téléspectateurs et téléspectatrices, je l'ai toujours trouvé sympathique, ce Nicodème, qui vint trouver Jésus de nuit en secret. Ce fils d'Abraham voit les signes que Jésus accomplit et qui témoignent de la présence agissante du Tout-Puissant. Il sait que ce rabbin vient de Dieu et diffuse son enseignement. Mais contrairement à ses collègues du Sanhédrin qui disqualifient celui qu'il considère comme un rival, Nicodème vient rencontrer Jésus dans l'espoir de pouvoir discerner son identité profonde.
En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, lui dit Jésus. La question implicite de Nicodème portait sur la personne de Jésus et celui-ci le renvoie vers un royaume qui se donnerait à voir que sous certaines conditions. L'identité véritable de Jésus ne se révèle donc que sur un autre horizon. Pour y accéder, il faut accueillir une vie que nous ne possédons pas encore et qui nous vient d'en haut. C'est donc à une connaissance autre que celle de l'intelligence seule que nous sommes invités pour pénétrer le mystère de l'identité véritable du Christ Jésus. Il faut par la foi devenir fils et fille de lumière pour pouvoir reconnaître celui qui est la lumière du monde. Dérouté, Nicodème interroge Jésus : comment un homme peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? Comme seule réponse, Jésus réitère la même exigence tout en précisant ce que signifie naître d'en haut. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il lui fait faire un pas de plus. Curieusement, dans l'analogie utilisée par Jésus pour décrire cette nouvelle naissance, il semble qu'il y ait deux principes, l'eau et l'esprit. Tous deux étant nécessaires pour nous engendrer à une vie nouvelle. C'est donc par le baptême et la confirmation que nous naissons à la vie de Dieu et à son royaume et que l'Esprit nous est donné pour témoigner de la primauté de Dieu et de son message dans nos vies. C'est bien le témoignage que nous laisse la première communauté chrétienne. Alors que l'orage gronde et que s'annoncent les persécutions, loin de demander à Dieu d'éloigner d'eux cette menace, ils s'en remettent à lui en toute confiance, le priant seulement de les renouveler dans l'Esprit Saint, afin qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu, la parole de vérité, avec une parfaite assurance, et accomplir au nom de Jésus les signes qui l'accréditent. Voilà le message. C'est le baptême et la confirmation qui nous permettent d'entrer dans ce monde nouveau de Dieu et de pouvoir accomplir les signes que nous pouvons faire comme Jésus l'a fait. En ce temps de cheminement de Pâques à la Pentecôte, faisons nôtre cette ardente prière afin que renouvelés nous aussi dans le souffle de l'Esprit, nous soyons les témoins courageux que le Seigneur convoque et envoie pour la nouvelle évangélisation comme nous y a souvent invité le bienheureux pape Jean-Paul II. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour toutes les personnes remplies de l'Esprit qui annoncent ta parole avec force et assurance, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Guidés par l'Esprit, unissons nos cœurs et d'une seule voix osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit souffle où il veut, comme nous disait l'Évangile. Faites-lui confiance, soyez ses témoins et allez dans la paix du Christ. Amen.